C'est dans le cadre de promouvoir le photojournalisme, la culture, l'art, le tourisme et d'encourager la recherche que le promoteur de 9G Photographie, à travers son projet 9G Découverte Tour, a organisé un atelier de formation gratuite en photographie le jeudi 25 mai 2023 dans les locaux du groupe de presse d'Abaro. L'objectif de cette initiative bien pensée est d'apprendre aux amoureux de la photographie et autres les techniques professionnelles de prise d'image. Ce qui justifie notre présence ici ce matin, c'est d'apporter quand même quelques techniques en prise d'image aux participants. Et parmi les participants, nous avons eu des journalistes que nous avons ciblés, des journalistes de la presse écrite, des journalistes de la presse en ligne, des particuliers, des étudiants, et des personnes déjà dans la fonction qui ont souhaité quand même apprendre cette initiative-là, que nous avons voulu être gratuite à l'endroit des participants. Cette séance a été très enrichissante au vu des professionnels de la photographie invités pour entretenir les participants. Pour parler de la photographie en général et pour parler des moyens ou bien des accessoires, des techniques de prise de vue. Voilà pourquoi nous étions là. Cette initiation va aboutir et je pense qu'il y aura une très bonne suite. Parce que ça va aboutir à une exposition. Il y aura plusieurs photographes qui viendront exposer leurs œuvres et en même temps pouvoir vendre. Après plusieurs heures de notions reçues, les participants sont repartis satisfaits. Je pense que l'initiative est louable et il faut encourager son porteur et le demander d'aller encore plus loin pour les fois à venir. C'est un coup d'essai, mais un coup de maître. Nous avons vu le nombre de photographes qui a été mobilisé. Nous avons vu le nombre de participants. Aujourd'hui, pour ce que j'ai vu et pour ce que j'ai entendu, il y avait des petits détails que je ne maîtrisais pas forcément et que j'ai compris aujourd'hui parce que pour la petite expérience, quand nous sommes sur des terrains de reportage, nous voyons des photographes adopter des positions bizarres. On se demandait peut-être que nous ne sommes pas bons photographes parce que nous ne sommes pas dans cette position. Mais avec tout ce que les formateurs, les panélistes nous ont dit, j'ai finalement compris qu'en fait, ce n'est pas la position qui détermine la valeur, la qualité de la photo, mais c'est ce que chacun recherche en prenant sa photo. Rappelons que la thématique du projet est intitulée « Allons à la découverte des chasseurs du Bénin ». La promotion de la culture, de l'art, de la photographie est un ensemble de révélations de notre pays, le Bénin. Cette formation vient donc à juste titre dans le septentrion, une initiative qui mérite d'être soutenue.